assurer la sécurité alimentaire à l'ensemble de la population malienne et améliorer l'état nutritionnel de toutes les couches vulnérables. Tel est l'objectif visé par le commissariat à la sécurité alimentaire à travers son programme innovant dénommé Programme Facilité alimentaire malienne. Lancé le vendredi 15 mars dernier en commune 1 du district de Bamako, ce programme consiste à fournir à 100 ménages par commune de Bamako des kits alimentaires à prix réduit. Le combat que mène tous les jours le commissariat à la sécurité alimentaire est de garantir à chaque Malien et à chaque Malien la dignité alimentaire. Cette opération vise le même objectif, à savoir garantir un accès alimentaire et nutritionnel à l'ensemble de la population malienne à travers une mobilisation plus conséquente des ressources et une diversification des réponses adaptées aux capacités économiques de chaque groupe vulnérable. Composé d'un kit de 50 kg de riz, de 5 litres d'huile, d'un sac de lait de 5 kg et de sucre de 5 kg pour un prix social de 30 000 francs CFA. L'initiative vise les populations urbaines non éligibles au programme Sungalo Solidarité. Une des modalités de réponse du mécanisme est la vente à prix social de denrées alimentaires de première nécessité aux populations urbaines non éligibles à la distribution alimentaire gratuite, mais dont les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir décemment les besoins alimentaires de leur ménage. Pour l'exécution de ce programme qui concerne toutes les communes du district de Bamako, un calendrier est établi couvrant la période du 19 au 27 mars prochain.